Plusieurs démarches ont été mises en place ou proposées pour mieux éclairer les choix des consommateurs. Elles reposent sur l'affichage de logos ou d'indications placées sur la face avant des emballages et qui viennent compléter le tableau nutritionnel obligatoire. Il existe 6 grands systèmes de logos. Les RNJ ou repères nutritionnels journaliers. Ce sont des recommandations établies par les responsables de santé publique. Ils expriment les quantités de nutriments qu'il convient de respecter pour avoir une alimentation équilibrée. Il est ainsi recommandé de ne pas consommer plus de 90 g de sucre simple par jour. Sur un paquet de céréales, par exemple, on trouve les pourcentages des RNJ. Ils correspondent à la contribution d'une portion aux recommandations quotidiennes en sucre simple, soit ici 7% des RNJ pour un bol de céréales. La clé verte. Élaborée dans les années 90 en Suède, elle indique les produits dont la consommation est à privilégier. L'Australie a aussi lancé un logo similaire pour identifier les aliments sains. Ce sont des logos dits de santé positif, parce qu'ils mettent en avant des produits dont la consommation est recommandée. Les feux tricolores, dits « multiples », permettent d'identifier si le produit contient pour chaque nutriment une grande, moyenne ou petite quantité. Ce système est actuellement expérimenté au Royaume-Uni sur une base du volontariat pour certains industriels. Les feux tricolores dits « simples » indiquent avec le même code couleur si le produit est globalement de bonne ou de moins bonne qualité nutritionnelle. À la différence des feux tricolores multiples, ce système propose une évaluation globale et non pas nutriment par nutriment, et rassemble en une pastille les caractéristiques nutritionnelles du produit. L'échelle à 5 couleurs s'apparente au système à feux tricolores simple, mais intègre plus de couleurs pour permettre une approche plus précise de la qualité nutritionnelle des produits. Pour appuyer l'information, des lettres allant de A à E peuvent être aussi utilisées. Ce système a fait l'objet d'une proposition élaborée dans le cadre de la préparation de lois de santé discutée au Parlement français au printemps 2015. Enfin, des distributeurs français ont proposé un dernier système basé sur 4 pictogrammes de couleurs. Ce système donne une note globale de chaque produit en fonction de la fréquence de consommation à respecter pour assurer une alimentation équilibrée. C'est-à-dire de 3 fois par jour à de temps en temps. De nombreuses initiatives ont donc vu le jour ces dernières années et ont nourri le débat sur l'information nutritionnelle sur les produits alimentaires. Les principes sur lesquels reposent ces systèmes d'étiquetage sont très divers et leur impact potentiel sur les consommateurs et les entreprises reste à être analysé et étudié.